Celle que nous allons retrouver maintenant est plus jeune que la fête de la musique, mais elle s'exporte déjà autant. L'an dernier, elle a reçu le World Music Award de l'artiste française ayant vendu le plus de disques à l'étranger, Russie, Israël, Pologne, Autriche, Japon, Italie, Angleterre, Hollande. Dans tous ces pays, ils sont fans de notre Lolita à nous. Elle vit chez ses parents et elle rentre sagement chez elle encore chaque week-end. Ce soir, c'est la fraîcheur de son prénom qu'elle va faire souffler sur le champ de Mars. C'est Alizé, bien sûr, j'ai pas 20 ans. Alizé! Ce soir,
pour vous au pied de la Tour Eiffel. Bonsoir Alizée. Bonsoir. Alors, quelle expérience? C'est très impressionnant parce qu'il y a beaucoup de monde. Ouais. Bonjour tout le monde. Alors justement, plus de 350 000 personnes qui sont avec nous ce soir ici au pied de la Tour Eiffel. C'est un événement, vous le savez tout à l'heure, dans Alizée. 3890 secondes. Dans 3890 secondes, nous allons éteindre la Tour Eiffel pour ensuite la rallumer, rallumer ce scintillement qui avait tellement séduit le public au moment du passage en l'an 2000, tu t'en souviens? Oui. Bien sûr. Et nous allons découvrir ce nouvel habit de lumière que revêtira la grande dame de fer, si vous nous rejoignez. C'est donc dans maintenant quelques secondes, quelques milliers de secondes, 3862 secondes, très exactement. Il y a une chanson dans l'album, Alizée, qui s'appelle Toc de Mac. Qu'est-ce que ça veut dire, Toc de Mac? C'est une expression ajaxienne qui, quand on aime quelque chose, eh ben, on dit que c'est Toc de Mac, c'est super bien. Voilà, l'Écorce te regarde, j'en suis sûre. J'espère. Ce soir. Il fait de la musique aussi avec nous sur France 2. À suivre dans cette émission, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Leslie, Laurent Boulzy, Chimène Badi, Les Gypsies, Marc Lavoine, Tina Charles, tous les hits de danse des années 80. Il y a des ballons qui s'envolent pour toi, Alizée, dans le ciel. C'est magnifique ce soir, on vit un instant magique. J'espère que vous aussi, j'espère que vous passez une très bonne soirée avec nous sur France 2. Je pense que c'est un petit peu pour toi et pour Laetitia Casta, que l'on a appelé la Corse l'île de beauté. En tout cas, c'est tu le mérites. D'ailleurs, ce week-end, tu n'y es pas, mais tu t'es fait représenter par le Premier ministre qui est allé à ta place. On pourra te retrouver à l'Olympia du 26 août au 4 septembre et ensuite en tournée dans toute la France. Alizée en tournée. Merci beaucoup, Alizée. Merci beaucoup. Merci d'applaudir Alizée et de lui faire un triomphe ce soir au pied de la Tour Eiffel. Merci. On vous entend pas. Encore. Plus fort. Tout au fond près du mur de la paix là-bas. Faites-nous des signes. On vous entend pas. Voilà. Super. Merci pour Alizée, merci Alizée. Reste avec nous, j'espère, ce soir pour toute cette soirée, tout au long de cette soirée, évidemment, beaucoup de musique. C'est le jour le plus long, c'est la nuit la plus courte et c'est aussi le jour le plus chaud. Je sais que dans le sud, par exemple, vous avez eu encore plus chaud que nous aujourd'hui, 40 degrés demain. L'an dernier, on se baignait dans les bassins du Trocadéro pour se rafraîchir. Ce soir, je vous propose au contraire de faire monter encore un petit peu la température avec de l'amour à l'italienne. Le nom de ce groupe, ça veut dire riche et pauvre, riche comme pauvre. Tout le monde fait de la musique ce soir. L'air de cette nuit d'été n'appartient à personne. Ricky et Poveri, tout le monde danse ce soir sur Sarà perché ti amo.